est née l'initiative de ce projet d'autonomie alimentaire? Il est né d'un collectif citoyen inquiet pour les générations futures et qui s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se mobiliser ensemble pour avoir un lieu qui permette d'avoir des outils pour pouvoir former les gens et pouvoir transmettre. En moins du mois, on a lancé un projet, fait un jardin, on a eu une labellisation, on a formé des gens et là, on continue le processus par école, crèche, parce que le but, c'est vraiment de comment on fait manger local et comment on intéresse les citoyens à cette problématique.